Bonsoir Elbev, bonsoir le Gabon, bonsoir le monde. Vous êtes sur Télé Africa, plus particulièrement sur l'émission Original Undercover, présentée par ma main Fox le SD. Voilà, comme ça on démarre les hostilités avec du lourd et du gros et du gros. Vas-y, je vous présente l'artiste Mr. Amazing en featuring avec Fox le SD sur le titre Incorrigible dans la rubrique Original Video. Blow. Avec mon stylo sont incorrigibles. Il faut du liquide car l'eau dans mon frigo est devenue encore rigide. Le rap gabonais dans le viseur, ta clique est morte dans le film. Je te tue dans le teaser, t'as vu un court métrage comme si Emoro filmait. Pareil qu'on est pauvre dans la neuse, et ça t'apporte ce qu'ils disent. Et même quand je sors de la maison, tous les anneaux m'analysent. Tu pas dans le bail, c'est un gros cachet pour me canaliser. J'écoute pas si dit, moi j'ai fait la joconde de sourire de Mona Lisa. Espèce de faillot, qu'est-ce qui t'a pris de visiter mon royaume? Ici, l'accueil est loin d'être joyeux. Si tu pensais venir voler mon joyau, voyons, croyais, tu survivre sur une page de mon cahier. Voyons, broyé, tué, l'encre rouge est coagulée comme un caillot. Tout ce qui me motive à faire du son, c'est cette envie. Tu écoutez les ragots, vos conneries, j'ai pas l'habitude. Toujours en paire de Air Max quand j'fonce sur le beat. Incorrigible, c'est aussi ça la genius attitude. Un feu me maquille d'arrêter la cello, et j'écoute pas ce qu'elle dit. Tu fumes trop de shit, j'y risque la folie. C'est une putain de maladie. J'suis incorrigible, j'suis incorrigible. L'esprit incorruptible, j'suis incorrigible. Les couplets que j'écris avec mon stylo sont incorrigibles. Il me faut du liquide car l'eau dans mon frigo est devenue encore rigide. Le rap gabonais dans le viseur, ta clique est morte dans le film. Je te tue dans le teaser, t'as vu un court métrage comme si Emoro filmait. Pareil qu'on est pauvre dans la neuse, et ça t'apporte ce qu'ils disent. Et même quand je sors de la maison, tous les allos m'analysent. Tu pas dans le bail, c'est un gros cachet pour me canaliser. J'écoute pas si dit, moi j'ai fait la joconde de sourire de Mona Lisa. Espèce de faillot, qu'est-ce qui t'a pris de visiter mon royaume? Ici, l'accueil est loin d'être joyeux. Si tu pensais venir voler mon joyau, voyons, croyais, tu survivre sur une page de mon cahier. Voyons, broyer, tuer, l'encre rouge est coagulée comme un caillot. Tout ce qui me motive à faire du son, c'est cette envie. Tu écoutez les ragots, vos conneries, j'ai pas l'habitude. Toujours en paire de Air Max quand j'fonce sur le beat. Incorrigible, c'est aussi ça la genius attitude. Un feu me maquille d'arrêter la cello, mais j'écoute pas ce qu'elle dit. Tu fumes trop de shit, j'y risque la folie. C'est une putain de maladie. J'suis incorrigible, j'suis incorrigible. L'esprit incorruptible, j'suis incorrigible. Allô? Rumba! Bia benyo, bia bemelo, dingon wa kababe, akana wa yeme bia oh 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 oh, dame sisi malumana yeme bia oh 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 oh, dame dame bia zangil, bia zangil.
Ouais, ouais. J'avais rendez-vous avec un gars qui s'appelle Dr Feeling dans son studio. Dr Feeling. Ouais, j'ai un morceau avec RR Suisse. RR Suisse. RR Suisse. Toujours donner de la force aux jeunes. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est la nouvelle génération. C'est la même génération que Ibos Mokek, mon petit et Mr Amazing. Voilà, Amazing. Ouais, ouais. Geolex. Geolex, voilà. C'est un peu la même génération, là. Ouais, ouais, ça c'est bien. Il n'y a pas qu'avec RR Suisse que la dernière fois, je pense, on s'est vu. Ça, c'était maintenant à l'hôtel Lacan avec le Spectre. Ouais, ouais. Avec le Spectre. Avec le Spectre. Avec le Spectre, ouais, ouais. C'était un morceau qu'on avait fait, donc les gars m'ont appelé pour faire le clip. Ouais, ouais, ça remonte à combien de temps là, que j'avais fait ce morceau là? Le morceau est quand même là depuis, hein. Ok. On va dire depuis l'année passée. L'année dernière, ouais, mais c'est bon, c'est bon. Début d'année, quoi. Ouais, 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 c'est bon, on est dans les temps. Je vois que ça bouge. Je vois, monsieur Cœur de l'événement, on a toujours l'œil sur le game, même si ils pensent qu'on n'est pas présent, mais on est présent, tu vois bien que. Voici, je viens dans Zang, on s'est rencontrés, c'est Original Undercover, c'est de l'actualité de hip-hop. Voilà, bon, Johnny, voilà, tu disais que tu avais rendez-vous au studio, mais apparemment, c'est pas un studio, là, on va pas dans un studio. On est plutôt en train, juste plutôt de te raccompagner pour qu'on aille, on retourne d'où on vient, là. Ouais, ouais, c'est mais ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, c'est un peu dangereux. Johnny, tu sais, moi je suis pas, on va pas dire que j'ai commencé à m'intéresser à toi à l'époque où tu étais vraiment en solo, mais plutôt à l'époque où tu étais avec le groupe New School, avec, là j'étais petit avec le morceau Si j'avais de la monnaie, yes. Voilà, avec Si j'avais de la monnaie avec New School, mais vas-y, New School, le groupe, comment ça a démarré tout ça là? C'est depuis le lycée, hein. C'est depuis le lycée d'État, il y avait des enfants de diplomates qui revenaient de la France. Ouais. Quand il va au lycée, c'est à l'époque, il n'y a que les gens qui ont la même vision, qui se rencontrent, qui se mettent ensemble. Effectivement. Voilà. La même passion que moi, la même passion musicale. Ouais. Et puis on a essayé de se mettre ensemble. Ouais, on ouais. avait des points en commun, donc la musique. Donc ça veut dire le groupe, il y a à l'intérieur pas de fils de riche, parce que par rapport à la connexion, le non, milieu. Ça dépend. On se dit que là, c'est un groupe. S'il y avait des moyens d'aller apprendre à l'extérieur, c'est que les parents sont d'accord. Ça veut dire que d'abord, ça veut dire que ce que vous avez commencé, voilà, c'était bien managé en fait. Bien managé. C'est pourquoi le rendu était propre, tu vois. Moi, voilà, j'ai regardé ça. Je me disais que c'était du rap français. Non, j'étais petit, je me disais que c'était du rap français. Et après, je t'ai vu en solo, disque d'or. Là, déjà, moi, j'ai même participé à la vidéo au tournage. Je te rappelle, j'étais petit, là, avec les gros t-shirts. Disque d'or. Plein d'autres petits. Je crois qu'il y avait qui dans le clip? Il y avait Lord Edcast, ouais, je me rappelle. Ouais. Plein de gars. Ouais. Fragment d'image. Ouais, ça, c'était mon premier album. Fragment d'image. Il y avait aussi, tu as aussi le morceau Vétéran. Vétéran, ça, ouais, c'est classique. Ouais, le classique des classiques. Ouais. Donc, on a vu. Voici, New School. De New School, tu es arrivé jusqu'à Vétéran. Là, je me rends compte qu'avec tout ce temps, tu arrives encore à kicker avec des jeunes comme RR Suisse, ouais, qui est aussi un petit beatmaker, je crois, à qui on passe le big up sur, Original Undercover. Ouais. Voilà, qui est aussi un beatmaker. Mm-hmm. Tu es sur des projets avec le Spectre, ça montre que voilà, ça vit toujours, quoi, côté ça plume, ça vit, côté inspiration. On a fait un autre featuring avec MG7 et puis Monsieur Sall. Monsieur Sall, voilà, oui, Monsieur voilà. Sall, ça, je suis au courant du voilà, featuring. Donc, je pense que c'est un remix d'une chanson de toi. Non, c'est avec RR Suisse que vous faites le remix de la chanson Légende urbaine. Effectivement, voilà. Légende urbaine aussi. C'était un son que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Voilà, Trap et Dirty ouais. South. Les gens n'avaient pas compris. Hein, ouais. Tu vois que. Un artiste, il doit être légèrement éclectique, en fait. Ouais, ouais. S'adapter ouais. au temps. Ouais. Et puis, en fait, l'environnement conditionne. Effectivement. Les jeunes de ma génération, ils ont vraiment été. Moi, personnellement, j'ai beaucoup été inspiré par toi. Ouais, merci. Et après, je suis rentré dans la musique, j'ai fait du rap même, tu vois. Cassé, voilà, dans le morceau, mon album photo, voilà. J'ai appartenu même au label, parce que effectivement, on a travaillé ensemble à l'époque d'album photo. Depuis le temps, tu es toujours resté standard, quoi. Ça veut dire qu'il y avait toujours cette façon. Ça veut dire que moi, un jeune qui a commencé, je t'ai vu rapper, je ne rappais pas, je suis arrivé, j'ai pu enregistrer avec toi. Aujourd'hui, tu enregistres encore. Je confirme, tu es une légende urbaine et ouais. Je suis ravi de t'avoir pour le premier numéro d'Original Undercover Fier. C'est comme un rêve qui se réalise sur le terrain. Bon, International Hip Hop, je pense que vous travaillez toujours.
Hier, yeah. Insulter le vétéran Bessin, t'aurais pas dû le faire. Dans ce game, t'es légitime, un peu comme l'adultère. Depuis que tes fans ont grandi, rien ne va plus. Et tout le monde sait que dans ce rap gabonais, c'est toi qui as emmené le U. 2005 commence ton imposture, les médias subissent ta dictature. C'est ta merde que TV Plus diffuse. Vous êtes nombreux, mettez l'élite de la bonne pom-pom girl. Car t'es la suceuse de glace, tapinant à toute heure. Le Gabon sait que t'as brillé, groupe des adolescents. Tu viens de quelle école de rap? Personne cite ton nom en exemple. Et quand ça parle de rap, le vétéran te dit que comme Binzou t'es dans la playlist du divin. Ouais, j'étais sur les réseaux tout à l'heure là, je me rematais la vidéo de Guillotine. Ah ouais. Freestyle ouais. En question là, mais c'est quoi? Quoi à propos des clashs? Qu'est-ce qui se passe? Je mène ma petite vie. Ouais. L'élément, le mec qui m'a. Chaque fois, ça fait plus d'un an qu'il m'attaque sur les réseaux sociaux. Jamais je voulais répondre parce que moi, la merde, je réponds pas à la merde. Il a fait ça, ça fait un an plus tard. Il a recommencé. On m'a demandé de pas réagir en fait. Ouais. On m'a dit, c'est ça, ça vaut pas la peine de réagir, c'est pas utile. Donc, j'ai mieux à faire. Moi, je suis un père de famille et tu as vu, j'ai des responsabilités. Donc, par respect pour moi et à tous mes fans, je suis resté silencieux jusqu'à un moment. Ouais. Oh, le gars, il a assisté. J'ai dit bon, ok, je lui envoyais un signe. Comme ça, je lui montrais qu'un grand n'est pas un petit. Donc, c'était le coupage de tête Guillotine. Voilà, Guillotine, je me suis mis sur la voiture, j'ai écrit un truc, il fait paf. Je suis monté dans la voiture, j'ai mis l'instru et j'ai rappé tranquillement. C'est allé à ses oreilles et il a pas. On a capté, moi-même j'étais connecté sur les réseaux, tu sais, on est tous sur les réseaux. Mais après, il y a eu une suite à ça, il y a eu un autre morceau sur la drill de Pop Smoke. Ouais, il a sorti un morceau complètement pété là, Johnny Bigoudi, c'était de la merde, ça m'a fait rigoler. J'ai dit, bon, pour faire un point d'honneur, faire plaisir à tous les jeunes de cette nouvelle génération qui aiment la trappe, ouais. Je vais finalement écraser ce gars-là avec un morceau qu'on a appelé Colanus. Yeah. Petite étoile, je te rassure, tu restes vrai dans ton imposture. Johnny Bigoudi, j'ai kiffé, un pinceau pour salon de coiffure. On m'a dit que tu étais tranchant, je ressors sans aucune éraflure. J'ai grimpé sur le building et j'ai bousillé la toiture. Sans et puis c'est parti en. Ouais. Il est revenu derrière avec un faux morceau. Mais donc là, ça veut dire que le clash est fini. C'est mort. Ah. Moi, je suis pas spécialement un clasheur en fait. Je suis pas un clasheur, moi je suis quelqu'un qui crie. Bah, je t'ai pas connu dans les clashs d'abord, de toute façon. Moi je devrais en parler tout à l'heure. Je veux dire, c'était New School, c'était toi. Ah, voilà, le clash c'est pas une discipline que j'affectionne, mais quand on me teste là-dedans, c'est des plumes qu'on laisse, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, si ça reste de l'art et qu'on reste dans l'art, c'est que voilà, on y gagne, parce que voilà, le clash ça fait partie du rap. Bien sûr. Et pour finir, on va parler de New School. New School, est-ce que New School ça projette quoi? Bah, New School, je crois qu'on est en studio avec Miss Mapping et Crash. Ouais. On va sortir des trucs. Ah ça? Ah donc ouais, on n'est pas dans un pays libre. Hein. Ah. On est n'importe où, n'importe comment. Voilà, donc, voilà. Je disais que New School. On va, ça va, c'est bon. Voilà, New School, on est en train de faire des petits trucs. On va poser des. C'est compliqué ce pays. Hein. Bah oui, bon, on va poser des trucs en studio et puis on va voir ce que ça va faire. Parce que New School c'est quand même un groupe légendaire, au même titre que Mauvaise Haleine. Au même titre qu'AEU, voilà. C'est des groupes qui ont animé notre jeunesse. Bah voilà, Johnny, moi j'ai. Ça rigole derrière ou quoi? Non, ça check pas sur nous, ça paraît pas sur nous. Ouais, vas-y. Donc, on s'en concentrer. C'est original undercover, on a la légende urbaine Johnny Bigoud. On va se séparer comme ça là avec les projets à venir, c'est-à-dire que New School, comme disait le grand tout à l'heure là, voilà. Moi tout à l'heure là, j'ai un autre artiste à rejoindre, je vous invite à me suivre. Et voilà, je vais raccompagner Johnny Bigoud parce qu'il n'a pas eu sa séance de studio aujourd'hui dans le Zinc. C'est dommage, on espère que ça se passera bien pour lui la prochaine fois. Et vraiment, moi je suis encore content de t'avoir reçu à mon émission Original Undercover. Ça fait plaisir. Bah vas-y, on va prendre. Incorrigible. Il faut du liquide car l'eau dans mon frigo est devenue encore rigide. Le rap gabonais dans le viseur, ta clique est morte dans le film. Je te tue dans le teaser, t'as vu un court métrage comme si t'es mort au film. Pareil qu'on est pas dans la neuse. On se retrouve là avec les membres du Star Wars. Plus particulièrement Avoc, le Big Avoc au Tétain, tu connais? Tu connais pas? C'est Namek, c'est Nzang. Voilà, on est en plein, tu vois l'atmosphère, on est en plein tournage de son clip, d'ailleurs son nouveau clip qui arrive. Mais lui-même, il vous expliquera plus de manière plus élargie qui il est. Je vous invite à découvrir Avoc.
ramenez-vous pour Original Undercover. Yo, my man, Star Wars. Yeah, on dit quoi, Asso? Tranquille. Je suis d'abord, 243, Star Wars, ma main, top, le coronavirus, l'Innova, on est vieux. Hein? Yeah. Ok. Yo, Big Avoc, comme ça, on est au tournage, on avait toute la famille là. Yeah, ouais, ouais. On est au tournage de quel morceau comme ça? Le son Drill Smart. Ouais. Ah ouais. Le son qui vient révolutionner l'univers du rap, l'univers de la drill, au Gabon, l'univers de tout ce qui se trouve en fait dans la musique, dans le showbiz. Ok. Là, voilà, nouvelle révolution, Drill Smart. Ouais, Drill Smart. Yeah. 243, Star Wars. Ok, tu as entendu, c'est 243, c'est Star Wars. Bon, Avoc, toi, on te connaît pas, tu es dans l'émission Original Undercover. Ouais. Et c'est une émission aussi qui a pour objectif de présenter des artistes qui ne sont pas connus, mais qui travaillent dans les coulisses. Donc, en quelques mots, tu vas nous dire à peu près d'où tu viens, c'est quoi ton industrie et qu'est-ce que tu proposes à la population qui vont te suivre voilà, d'ici là. Bah voilà, d'abord, je suis le Nzeng, mon quartier c'est Namek. On voit un peu, c'est le meilleur quartier d'Elbeuf, en tout cas pour ceux qui connaissent. Namek, en estate, carrément, c'est du lourd. Bon voilà, je suis Avoc, producteur, rappeur. Ma maison de production, c'est la Star Wars Production. Yeah. Mon gang, c'est 2N43. Yeah. Bon voilà, je viens de vous parler de mon nouveau projet. Ça, le projet c'est Drill Smoke. Drill Smoke. La partie 3 de ma mixtape, ouais. Nos limites. Ouais. Bon, normalement les autres parties ne sont pas encore disponibles en fait. Ouais. Bon. Voilà, on se savoure ça, c'est Nos limites. C'est Drill Smoke sur le projet Nos limites. Et on mate ça, c'est Avoc de Star Wars Star et du 2N43 gang. Yeah. Ouais, et puis un dernier mot. H2O. Restez focus sur vous, toutes les personnes vous embrouillent, en fait. Le leader du hip-hop est rempli de gens trop pourris, en fait. C'est le seul message, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Cherchez à être vous-même, ne vous embrouillez pas, en fait. Ne cherchez même pas à capter le mind de quelqu'un. Yeah. Lui qui vous maille, c'est lui qui suit votre mind. Et un point, c'est tout. C'est toi la star, mon frère. On retrouve Drill Smoke sur la rubrique Original Underground. Juste après, on se dit au revoir. Star Wars, my nigga. Ok. Binova onévé. Wa binena on majoté. Bien voilà drill, bien voilà trap. Madonna bien voilà frappe. On cola si, on cola yo. Bye mema. Wa binena on ma bordé. Maïna quoi là pour chiffrer. Maïna va à la pitié. Ma ouli en cola, ma vue en coba. Wakumena à me tilter. Rap une femme à côté. Même un agnouban m'a dit attrape. 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 Wakumete, Waïdje, Wakumete, ok. Comme un agneau bas, m'a dit attrape. 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 Wakumete, Waïdje, Wakumete, ok. Allez, et bobo va. Allez, sale Bouddha, baby. Fuck you, nègre. Et l'en aussi, nègre. Fuck you, beauty, pute, nègre. Benzo.
Awaz. Locali. Locali. 2N43 Maneke. C'est ainsi que s'achève cette émission originale Undercover, présentée par ma main Fox le SD. On était comme ça avec Avok dans la rubrique originale Underground qui nous a présenté la vidéo Drill Smoke avec tout son collectif du Star Wars, du 2N43. C'est ainsi qu'on se sépare, on vous remercie. Suivez-nous sur les différents liens sociaux au bas de l'écran. Et on vous dit encore merci de nous avoir regardé. Ça se passe sur Télé Africa. Bien ben you, bien ben me lo. Ingo wa koba be. Akanawa yeme bia oh 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 oh. Dame sisi malumana yeme bia oh 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 oh. Dame dame bia zangil, bia zamia.